Déjà en vacances, oncle Michel? Ah, mais qu'est-ce que tu me veux? Mais dis-moi, où est-ce que tu pourrais m'emmener pour une balade d'été? Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre la vallée de l'Authise, de Guilbeau à Tourteron. Et tu me promets des surprises? Oui, nous allons passer sous le pont de la Roche. Mais on prend un canoë, un maillot de bain? Mais non, le pont de la Roche, c'est un viaduc qui a été construit pour que la ligne de chemin de fer de Niort à Angers, en passant par Coulonges et Saint-Pompin, puisse enjamber la vallée de l'Authise. Et qu'a-t-il de particulier, ce pont? Bah, un viaduc de cette hauteur et d'une telle qualité architecturale, c'est rare dans notre région qui est plutôt plate. Et il est en ferraille, en pierre? Non, il a été bâti en belles pierres, des pierres extraites de la carrière située au lieu-dit Les Plantes à Coulonges. Depuis la fin de l'exploitation de la ligne, il y a environ 40 ans, la commune de Saint-Pompin en est propriétaire. Et si tu veux mesurer sa hauteur, prends une longue ficelle lestée d'un poids et installe-toi au bord de son parapet. D'ailleurs, je conseille aussi à ceux qui nous regardent d'aller faire de même. Ça donne envie d'aller voir tout ça. Allez, allons-y. C'est parti.